Bonjour à tous, c'est Isner et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Phantom Post. Alors c'est quoi la vidéo Phantom Post? En fait c'est simplement les courriers des abonnés. Je trouvais ça rigolo de mélanger Post et Fantominus pour les courriers des abonnés. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et bah, je vais commencer du coup cette série de vidéos Phantom Post avec un courrier que j'ai reçu aujourd'hui. Donc que j'ai reçu donc ce mardi 20 octobre. Normalement la vidéo sera en ligne ce soir, enfin dans l'après-midi. J'étais très très content de recevoir cette lettre parce que j'en ai... En fait, on me l'avait dit, mais j'avais complètement oublié comment on voit une lettre. Et du coup, j'ai eu la surprise d'avoir cette lettre dans la boîte aux lettres ce matin et j'étais trop content. Et du coup, je sais ce qu'il y a dedans, mais j'ai tenu à vous refermer ça correctement pour le réouvrir avec vous. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc du coup, alors voilà, c'est une petite lettre qui est comme ça en papier bulle. Alors j'ai mis ma carte pour cacher mon adresse tout simplement. Donc il y avait qu'un petit Fantominus, d'ailleurs elle a marqué Fanto œuf au plat, donc c'était rigolo. Et du coup c'est d'une youtubeuse que j'aime tout particulièrement parce qu'elle fait des vidéos sur Disney, donc surtout sur les Blu-ray Disney. Et je trouve ça vraiment sympa, j'en ai pas vu d'autres qui le faisaient, vu qu'elle fait ça très bien, c'est cool. Et en fait c'est Wapi Disney. Alors vous verrez ici là normalement, hop. En haut à droite, à gauche, vous aurez une petite icône pour cliquer sur aller voir sa chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, ça me ferait vraiment plaisir si vous aimez le contenu Disney que vous vous abonnez à sa chaîne. J'adore ce qu'elle fait. Du coup, je vous remercierai vraiment beaucoup de vous abonner à sa chaîne si ça vous plaît. Hein, bien sûr, je ne vais pas vous forcer, mais elle fait vraiment des bonnes vidéos et elle a besoin de soutien parce que c'est vraiment sympa ce qu'elle fait. Et du coup, on va voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et j'étais vraiment, mais vraiment choqué, on va dire. Ah, alors je l'ai ouvert dans le bon sens. Alors du coup elle m'a envoyé une petite lettre toute mignonne, donc avec le zombie dans Toy Story. Donc du coup elle a marqué Avenue des Papercraft East North Wapi Disney. Et elle est vraiment jolie, regardez le Space Crane, c'est trop joli. En fait c'est des petites lettres qu'elle a achetées je sais pas où. C'est sûrement, c'est le format japonais, donc je pense que c'est une lettre japonaise. Ça doit être l'un des produits qu'elle a acheté au Japon, et c'est trop beau. Alors il y a une petite lettre dedans, je vais pas vous la lire parce qu'elle est un petit peu longue, mais en tout cas c'est très bien écrit, elle a une très jolie écriture. Elle a écrit Wapi là, c'est trop mignon. Voilà, donc une petite lettre, vraiment sympa, et elle est super, mais alors super gentille. Donc Wapi, si tu passes par là, je te fais un gros merci, un gros bisou. Elle m'a donné un booster, enfin elle m'a offert un booster origine antique. Alors j'en ai, en fait vous en avez déjà vu sur ma chaîne, mais c'était pas vraiment mes boosters parce que du coup c'était un ami qui m'en prêtait pour que je puisse faire les ouvertures, parce que vu que j'achète plus de français. Donc ça c'est mon premier booster à moi en fait que je vais ouvrir. Donc j'espère qu'on va avoir une bonne pioche, mais dans tous les cas, c'est pas grave, ce booster restera dans une boîte à part, parce que ça sera un cadeau de Wapi, donc il ira avec sa petite lettre dans mon classeur, là où je range les courriers d'abonnés. Donc c'est vraiment, ça me fait énormément plaisir, Wapi, que tu m'aies offert ça, je te remercie beaucoup. Du coup, on va s'ouvrir ce booster, on va essayer de bien l'ouvrir. Alors il y avait une technique, j'ai vu sur YouTube en fait, qu'il y en a qui tiennent les cartes là, ici, et il tire pour ouvrir le booster, et a priori, ça s'ouvre pas trop mal en fait. C'est une bonne technique. Ah, c'est même une très bonne technique. Alors, je sais plus d'où j'ai vu ça, mais il y a certains youtubeurs qui font ça. Donc, je vous conseille du coup, parce que c'était assez facile à ouvrir. Alors, du coup, il y a un code online. Je vais le garder pour moi, celui-là. Je joue au TCG, donc je suis désolé. 1, 2, 3, 1, 2. Ils vont voir du coup ce qu'on va recevoir. Alors, on commence avec un Porygon. Je vais peut-être faire une petite macro un peu. Voilà, nickel. Une bonne macro sur les cartes. Donc le Porygon, alors celle-là, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais j'adore vraiment l'effet crayonné qu'il y a dessus. Elle est vraiment jolie. Un Sepiatros, mon ami Sepiatros. Mais n'empêche, la carte est quand même bien classe. Et ce Pokémon est assez intéressant à jouer. Le Mystherbe avec cloche-pied. Lancer une pièce, si c'est face, ouais, bon, c'est pas terrible, mais c'est mignon. Un Miaouf, ah, coucou Grim, si tu passes par là. Je sais pas, je vois Grim Makin. Et il y a Yoru TCG aussi qui adore Grim Makin. Donc Yoru, si tu passes par là, qui adore Miaouf, pardon. donc Yoru, si tu passes par là, un petit coucou à toi. Apitri, je déteste ce Pokémon. Parce que dans le TCG, il est trop chiant quand il est voulu en Apirate. Ah, oh, c'est horrible. Un petit joli Flore. Ah, oh, ça me fait penser à la petite Sochan qui est morte avant de devenir un joli Flore dans mon esprit. Oh là 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 là, pauvre petite Sochan. Lien spirituel Tyrannosif, un Colimucus, donc là du coup je pense vachement à Moa, parce que bah voilà, c'est Moa ce Pokémon pour moi. On n'est pas, il n'a pas le petit air, et alors regarde-moi.
va me tuer. Ah, Tenefix. Et maintenant, et en fait, quand je vois Tenefix, je peux pas m'empêcher de penser à Lighty. Et je pense à tellement de gens sur cette vidéo. Merci à toi, Wapi. Je pense à Lighty parce que Lighty m'a fait un petit strap avec un Tenefix dessus. Du coup, à chaque fois que je vois Tenefix, je pense à Lighty et je te fais un petit coucou, Lighty, si tu passes par là aussi. Et on finit avec un Regirock. Bon, c'était pas la meilleure des rares. C'est un Regirock, une petite carte. Mais pour moi, la plus belle, c'est vraiment le Tenefix en reverse. Vraiment, elle est super belle. L'effet reverse, je trouve qu'il a changé. Enfin, c'est que ça fait un moment que je joue plus de français aussi. Mais il me semblait qu'ils n'étaient pas aussi belles que ça, les reverse. Avant, l'effet arc-en-ciel qu'il y a là, c'est vraiment magnifique. Donc, elle est très, très, très belle. Mais du coup, je vais remettre les cartes dans leur booster, tout simplement. Hop. Je fais ça en direct. D'ailleurs, peut-être que je mets dans le bon sens. Parce que le booster, je vais le garder dans le classeur qui ira du coup avec la petite lettre, enfin la lettre que m'a fait Wapi. Et ben voilà. Et du coup, je voudrais te faire encore un énorme merci, Wapi Disney. Ton courrier m'a fait vraiment plaisir, mais vraiment plaisir. En plus, j'étais avec Thiboudou et elle a reçu ton courrier en même temps que moi. Et en fait, c'était tellement marrant de recevoir le même courrier, enfin le courrier ensemble de tous les deux. Du coup, ça m'a vraiment fait plaisir de recevoir ton courrier. J'ai voulu prendre le temps, donc j'ai fait une vidéo juste pour toi. J'espère que ça vous ennuiera pas les autres. Du coup, la vidéo dure un petit peu longtemps, elle fait 7 minutes. Mais ça me tenait à cœur de vraiment remercier comme il se fallait Wapi Disney. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller voir sa chaîne. Et si jamais vous voulez m'envoyer un courrier, parce que vous voulez m'envoyer un petit dessin ou autre chose, n'hésitez pas à me demander mon adresse. Ça ne me posera aucun problème de vous la donner. Voilà. Je vous remercie à tous et je vous dis à une prochaine vidéo.